Hi, everybody, moi c'est Sandra et bienvenue sur mon afro libre où les afros sont libres. Le mien n'est pas libre aujourd'hui et je viens enfin vous dire ce qui n'a jamais changé sur ma routine capillaire. Toutefois, je tiens à préciser que après mon Big Chop en 2014 et mon dernier défrisage c'était en mai 2014, j'ai donc coupé mes cheveux en juin 2014. C'était la première fois pour moi de prendre soin de mes cheveux. Parce qu'avant, déjà de mes 5 ans à mes 15 ans, j'étais rasée. Ara, c'est-à-dire comme un garçon on va dire, même comme on ne doit pas dire ça. Après ça, quand j'ai commencé à me coiffer, c'était tresse sur tresse, après le défrisant. Et donc, 5 ans après mon défrisage. Donc, je me suis défrisée pendant 5 ans et après, j'ai décidé donc de tout couper et de définitivement prendre soin de mes cheveux. C'était pas je vais arrêter le défrisant pour faire les tresses, les sissis, les rastas, etc. C'était pour vraiment prendre soin de mes cheveux et pouvoir les porter librement, d'où mon afro libre. Et donc, il faut savoir que les premières années, c'était apprendre. Vraiment, j'étais nulle. Je ne connaissais absolument rien sur les cheveux, les soins qu'il faut faire. Et donc, je ne peux pas compter ces années-là dans ce que je suis en train de dire parce que les 2 premières années, surtout, c'était les années où j'ai su que je dois apprendre. Parce que si tu ne connais pas comment quelque chose fonctionne, ce sera en fait délusoire de venir croire que quand tu vas commencer à faire, tout va fleurir et tout sera parfait. Non, là, tu vas devoir apprendre les choses que tu ne sais pas, les gestes que tu n'as jamais fait. Comment gérer ses cheveux la semaine, etc. Donc, les premières années, c'était les années où je ne peux pas inclure ici et dire, oh, je faisais ça là et jusqu'aujourd'hui, c'est la même chose parce que c'est au fur et à mesure que j'ai appris. J'ai vraiment pris cet engagement de comprendre et d'apprendre mon cheveu. Quand j'ai commencé à maîtriser, donc, tout ce que je vais vous dire ici, ce sont les choses du moment où j'ai commencé à maîtriser mes cheveux jusqu'aujourd'hui. Raison pour laquelle ce sont en fait les choses qui ne vont jamais changer. Parce que ce sont les choses qui me font avoir et les cheveux et la longueur et tout ce que je veux en fait dans mes cheveux. Donc pourquoi changer l'équipe qui gagne? Alors je vais regarder mes notes, ok? Donc on va passer par les étapes des soins. Donc quand j'ai compris, quand je suis arrivée à l'excellence dans l'entretien de mes cheveux, de manière générale, je fais un shampoing. Ensuite, je fais un masque et après, je fais une mise en plis. Voilà les étapes phares. Maintenant, une fois tous les 2 ans, je peux faire un bain d'huile ou une fois tous les 2 ans, je peux sauter le masque parce que mes cheveux sont bien doux, etc. Mais voilà mes étapes phares. Et je vous ai déjà fait d'autres vidéos pour expliquer pourquoi je ne fais pas beaucoup de bain d'huile et pourquoi dans la façon que je vois l'entretien du cheveu afro, on n'a pas besoin de ça. Et donc, c'était ça par rapport au soin. Ensuite, on parle de cellules d'hydratation qui suit dans ce qu'on appelle mise en plis. Mise en plis, c'est tout simplement une façon que tu sais l'hydratation et en même temps, tu mets un pli dans tes cheveux qui vont te permettre de gérer tes cheveux durant la semaine. Quand je vais finir de rincer mon masque, mes cheveux sont mouillés. Et donc, il faut prendre en compte ça. Cheveux mouillés, crème ou encore lait capillaire et ensuite beurre ou huile végétale. Donc, on va donc dire ses cheveux mouillés. Ensuite, je mets très souvent une crème capillaire. Je préfère les crèmes capillaires au lait capillaire. Et après, j'applique une huile. Et parfois aussi, j'applique les beurres, mais je préfère les huiles pour leur facilité. Donc, c'est facile d'utiliser. Donc, voilà pourquoi je préfère les huiles. Mais les beurres sur mes cheveux, c'est aussi très bien. Et je peux même dire que mes cheveux restent un peu plus hydratés lorsqu'ils utilisent des beurres, mais vraiment pour son utilité, je préfère les huiles. Mais les beurres me vont aussi très bien. Et ensuite, on passe au rinçage du masque. C'est vraiment quelque chose qui peut être très minime, mais ça fait un grand, grand, grand changement. Je ne rince jamais, jamais mon masque sur mon afro libre. Lorsque je fais mon masque, je fais des sections, justement parce que c'est le moment là où je démêle mes cheveux. Et ensuite, je refais des sections, très souvent avec des twists. Et lorsque je vais rincer mon masque, je vais rincer sous les twists. Je ne vais jamais, jamais défaire mes twists pour rincer et avoir la peau là que vous faites comme ça. Souvent, je vois les filles dans les vidéos faire ça. Je dis, waouh, tu es courageuse.
Et pourquoi aujourd'hui c'est une chose que je ne peux même pas mettre en question, tout simplement parce que j'ai appris de mes erreurs. Le fait de rincer son masque, de défaire tes tuisses, rincer ton masque, être là, tes cheveux te touchent le cou, etc. Oh là là! Et après tu sors, c'est beau. Surtout après un bon masque là, c'est vrai, c'est magnifique. Mais les conséquences qui viennent après ça, les cheveux shrinkent, ils s'en mêlent. Et le pire dans ça, c'est que les séparations que vous avez faites, les sections que vous avez faites pour pouvoir faire vos twists là, vous perdez ça. Alors que moi, c'est un peu comme un 3 en 1. Premièrement, ça me permet de garder mes cheveux étirés parce qu'ils sont sous des twists. Ensuite, ça me permet de garder mes sections. Et enfin, ça me permet de retenir l'eau dans mes cheveux afin que lorsque je suis en train de faire ma mise en pli, j'ai pas besoin de vapeur pour asperger. Donc, autant de bénéfices. Donc, ça me fait gagner en temps et ensuite, ça m'évite la casse. Et ça me permet de ne pas être frustrée parce que lorsque vous laissez vos cheveux sécher sans les tuiles, ça shrink. Après, il va falloir encore asperger le vapeur. Et après, asperger l'eau avec le vapeur. Ensuite, il faut encore passer ça. Et après, vous êtes frustré, vous cassez les cheveux. Et après, vous dites, oh, mes cheveux sont maudits, je suis maudite, blablabla. Donc, c'est vraiment un truc que je dois absolument faire attention à. Désolée si j'ai pris le temps pour expliquer ça. Je prends le temps pour expliquer ça parce que parfois, les gens ne prêtent pas attention à des petits gestes. Ce sont les petits gestes et les petites choses qui font une grosse différence dans la vie. Ensuite, on va donc parler de conditionner les cheveux. J'appelle conditionner ses cheveux le fait que vous allez mettre vos cheveux sur des mises en plis durant la semaine, des grosses mises en plis pour pouvoir les conserver. Et donc, vous les conditionnez d'une part à rester à un endroit précis durant la nuit. Parce que si vous laissez vos cheveux libres et vous allez vous coucher, là, ils sont libres. Ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, à l'heure qu'ils veulent. Et nos cheveux, hein, ils adorent faire les bisous. C'est leur travail. Faire les bisous par-ci, bisous par-là, etc. Ça crée les bébés, et les bébés créent les autres bébés. Et après, ça te donne les nœuds de feu. Et tu dois couper les fourches. Ça te donne les nœuds. Quand tu peignes, ça fait mal. Et donc, moi, pour éviter ça, moi, je les discipline. Durant la semaine, je les conditionne. Je fais des gros stress. Je dis, tu vas rester ici. Et le matin, je vais te retrouver ici, sur cette place. Et tu vas m'obéir. Et c'est comme ça que le lendemain, mes cheveux restent en place et par conséquent, j'ai pas de casse. Et deuxièmement, je suis coiffée. Déjà, c'est un peu comme si tu prépares ta coiffure le soir. Tu vois, non? Et donc, c'est quelque chose que je fais toujours. Et généralement, je fais 2, 3, 4 à 5 nattes le soir. Je pense que à mes cheveux un peu plus courts, je faisais 6 le soir. Mais il faut vraiment éviter de faire les petites portions, hein. Conditionner ses cheveux, c'est pas refaire sa mise en pli complètement. C'est tout simplement garder ses cheveux dans une mise en pli et par conséquent une grosse qui va vous permettre le lendemain d'être beaucoup plus rapide. Ça fait un sens, ok? Donc, conditionner ses cheveux le soir, game changer, ça va vous changer la vie. Et si quelqu'un dit, oh, ça prend le temps, même la série que tu vois là, ça prend le temps, ok? So stop it. Quand tu restes sur Instagram, tu fais. Ça ne prend pas aussi le temps. Prends le temps. Tu dois choisir qui est-ce que tu priorises. Who are you prioritizing? Your hair or Instagram? You have to choose. Ensuite, et ajouter à ça, juste ajouter un petit truc. Quand on conditionne ses cheveux, après, tu dois avoir un foulard. Ça, c'est aussi une autre façon de conditionner tes baby hair. Que vous restez là. Et le matin, je vous vois là. Vous voyez, quand vous faites souvent des chignons, vous plaquez les cheveux et après vous mettez un foulard et qu'il reste là. C'est la même chose avec le foulard. C'est vrai que depuis un temps, quand je dors plus avec les foulards, j'avais ce réflexe. Mais depuis quelques temps, je m'en fiche. Mais je connais les conséquences et je ne me plains pas après de mes cheveux. Je sais que c'est de ma faute. Et donc, c'est un peu ça. Et ça vous permet aussi de garder beaucoup d'hydratation lorsque vous utiliser le foulard la nuit. Ça vous évite la casse et ça vous garde l'hydratation. That's cool. Ensuite, on va parler de ne pas hydrater mes cheveux en semaine. Je déteste ça. Alors, au début de mon insu, quand mes cheveux étaient secs en semaine, j'avais appliqué ça. Mais avec le temps, j'ai vu que ça ne donnait absolument pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que
puisque je n'avais pas encore compris comment hydrater mes cheveux sur une longue durée, je préférais laisser mes cheveux secs. Je préférais faire la peau pauvre, les laisser leur faire leur vie et le week-end m'en charger que d'appliquer parce que ça me laissait encore les cheveux secs. Et en plus, ça me fait le travail. Moi, je ne peux pas travailler pour rien. Tu travailles sans, c'est comme si tu travailles sans salaire. Moi, j'aime pas le salaire. Le salaire, c'est pas. Je préfère travailler pour moi. Comme c'est Caden qui l'a. Il y a un monsieur là qui a dit, je préfère travailler 50 000 l'année pour moi que d'aller travailler pour quelqu'un et qu'on me paye entre 75 et 100 000 euros l'année. Donc moi, je préfère. Voilà. Je sais pas si vous voyez là. Bref, avec le temps, de toute façon, je n'ai plus besoin de ça parce que mes cheveux rester hydraté. Lorsque je fais bien mes soins, durant la semaine, je n'ai pas de soucis de ce côté. Maintenant, il y a les moments, ça arrive. Ça arrive. Hein? Même parfois, quand tu fais tes soins comme il faut, tout, une fois l'année, ou bien, je ne sais pas quoi, deux fois, il peut y avoir ce moment-là où tu fais tes soins bien et durant la semaine, tes cheveux sont secs. Moi, comme j'ai dit, je préfère les laisser tranquilles. Je les laisse lâcher. Si c'est grave, je fais un afropuff ou un chignon et je les laisse tranquilles. Et lorsque je fais mes soins, je vais m'en occuper. C'est ça, en fait, ce que moi, je préfère. Donc, c'était les 5 choses qui n'ont absolument pas changé dans ma routine depuis le jour que je sais vraiment prendre soin de mes cheveux. Et toutes les connaissances que j'ai acquises depuis toutes ces années, depuis 2014. 2014 à aujourd'hui, ça va faire 8 ans. Non, 9. Ça va faire 9 ans de connaissances que j'ai acquis depuis toutes ces années et j'ai concocté tout ça, j'ai pris tout ça et j'ai mis dans un programme capillaire et je t'invite à t'inscrire à ce programme. Tu vas apprendre comment avoir des locks libres by mon afro libre. Ensuite, tu vas apprendre comment gérer tes cheveux durant la semaine. Parce que c'est aussi comment tu gères tes cheveux durant la semaine qui te permettent de garder, de maintenir tes cheveux dans l'hydratation. Et ensuite, tu vas aussi apprendre le côté psychologique de la chose, de comment tu vas faire pour pouvoir tenir dans le long terme. Parce qu'il s'agit du long terme. Au début, tout en mode, oui, je veux faire ça, et tu te mets à faire 100 DIY. Mais avec le temps, tu commences à dire, je ne veux plus, je n'en peux plus. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment superbe. C'est fou à quel point seulement prendre soin de ses cheveux. Pourquoi je mets le mot seulement? Parce que, au fond, les cheveux ne sont pas plus importants que mes bras, par exemple. Ok, je peux les couper, c'est pas comme si j'aurais mal. Mais prendre soin de ses cheveux, apprendre à les connaître et les maîtriser, ça booste la confiance en soi parce que ça te permet de voir que voilà quelque chose que j'ai fait, j'ai réussi et désormais je maîtrise. Et en même temps, ça te montre que il faut la discipline. Et ça t'apprend. C'est un peu comme si tu prends cette discipline que tu as développée seulement dans tes cheveux et tu peux appliquer dans les autres choses de ta vie. Et ça, c'est magnifique. Et pour finir, pouvoir être une mère et pouvoir montrer à tes enfants, pardon, l'exemple. Et chef kiss, c'est la plus belle chose en fait. Et je suis sûre que lorsque tu deviens maman, surtout d'une fille, tu comprends rapidement ce que je suis en train de dire là. C'est que tu ne peux plus être à mode, tu dis. Tu dois être l'exemple physique. Tu ne vas pas seulement dire avec la bouche, tu vas montrer aussi avec tes faits et gestes. Tu dis seulement à quelqu'un de ne pas utiliser le défrisé et tu montres pas à la personne comment prendre soin de ses cheveux. La personne va faire l'autre côté que la personne connaît en fait. Donc, c'était tout. Le lien, en fait, est dans la barre de description. Tu vas cliquer et tu vas t'inscrire à ce programme et commencer à enfin à prendre soin de tes propres cheveux. Et tu verras, la longueur vient quand on sait en prendre soin. La longueur vient automatiquement. La longueur, en fait, c'est la résultante de tous tes efforts et des bons efforts, hein, dans le sens où faire ce qui marche. Parce que tu peux toute ta vie faire ce qui ne marche pas et tu n'auras pas les résultats. Voilà, donc on se retrouve dans le programme capillaire et on se dit à très bientôt. Des bisous. Bye bye.